Bientôt le 14 février, oh, je dois dresser jusqu'à mes chevilles. Oh. Je sais que monsieur attend. Je vais aller au boulot, Robin. Bonjour. Prends soin de toi. J'espère que monsieur a attendu que je dois dresser jusqu'à mes chevilles. Oh. Prends soin de toi. J'espère que tu as attendu. Oh. En tout cas, j'espère que tu as bien entendu. Je dois tresser jusqu'à mes chevilles. Allez chercher quelque chose à manger. Madame, moi je suis au chaud et toi tu es ici en train de fouiller dans ton TikTok. Bon arrivé, monsieur. Qui vont arriver? Qui vont arriver? Tu rentres à la maison, moi tu salues ta femme. Bonsoir chérie d'abord. Oh. Et je te souhaite la bienvenue. C'est aujourd'hui que tu reconnais ça. Aujourd'hui, toi, tu as la conscience pour reconnaître ça. Ok, d'accord. Tu reconnais ce dossier? Non. Madame, regarde bien. Tu as signé ce dossier sans avoir à lire ce dossier avant de le signer? Je ne le reconnais pas. Ne me mens pas. Personne n'est rentré ici avec ce dossier et tu l'as signé sans avoir pris le temps de le lire d'abord? Sauf la vendeuse d'haricots. C'est ce que tu as mangé, vendeuse d'haricots. Tu sais ce que tu viens de signer, ça, là? Tu es sûr que tu as signé? Entre l'haricot et toi, là, c'est l'haricot. Je te vois. Tu sais ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que j'ai fait, monsieur? C'est notre vie qui est en jeu avec ça, si c'est toi qui l'as signé. Notre vie? Repense bien, madame. En tout cas, c'est notre avenir qui est en jeu avec ce dossier. Chaque fois que tu poses ce genre de veste-là, tu me fatigues dans cette maison, monsieur. Je te parle et tu es en train de me dire de n'importe quoi. La veste a cherché quoi dans tout ça, là? Si c'est toi qui l'aurais signé, notre avenir en jeu, madame. Pense bien dans tes cerveaux. Je dis, chaque fois que tu parles d'avenir, là, ne mets pas nous deux dedans. Parce que pour moi, là, le mariage, là, c'est pour le meilleur, pour le meilleur. Donc, quand tu parles d'avenir, là, si le meilleur n'est pas devant, là, sache que je te laisse avec le pire. Je cherche. Donc, ne parle pas d'avenir de nous deux, là. Tu parle te vois? Parle d'avenir de toi seul. Tu te vois? Tu parles, on dirait une folle. C'est de n'importe quoi. Hey. Tu n'es pas ma femme? Monsieur, qui est folle? Tu n'es pas ma femme? Qui est folle? Tu veux que je te casse la tête avec ça? Tu es vraiment une femme insoumise. Et si tu vraiment, tu l'as signé vraiment, ce dossier, commence à pleurer, madame. Commence à pleurer. Parce que nous allons tous tomber. En tout et cas, notre avenir c'est est dans toi, ce dossier. Oh, tes frères, oh, tes soeurs, oh, qui vont à l'école grâce à toi, qui vont commencer par pleurer. Et toi? Moi, tu vis grâce à moi aussi? Regarde-moi. Tu vis grâce à mon salaire? Non. Et si tu te permets de signer, si tu n'importe quoi? Si tu tombes, je pars chercher un autre ailleurs. Tu pars, je fais quoi? Ah, oh, c'est maintenant que tes idées sont claires. Là, tu es mauvaise de n'importe quoi. On va continuer mon TikTok. Un instant. Ok. Allez. Ok. Venez, je vais voir. Mais prenez le temps de lire d'abord. Ah non, monsieur, vous avez vu que j'étais en train de manger. Ok, il n'y a pas de problème. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Bah, merci beaucoup. Bonjour, ça va. Bonne journée à vous. Pareil à vous. Okay. Bon, monsieur, mangeons. Oh, merci. Ah, ok. Ça, même qui a refusé, en tout cas. C'est petit, même ça ne va même pas m'essouffler. Bonsoir chérie. S'il te plaît, monsieur, viens. J'ai envie de te parler. Bon arrivé. Merci. Et la journée? Ça a été. Et je voudrais te dire quelque chose. Vas-y, madame, je n'ai pas le temps. Oui, et je me souviens maintenant. Que la dernière fois, il y avait un jeune homme qui était passé, il a natté ses cheveux sur la tête, qui m'a amené un dossier que j'ai signé. Tu as signé ça sans mon accord? Comment sans ton accord? Toi, c'est moi c'est toi. Madame, tu es sûre de ce que tu dis? Oui, j'ai signé. Tu as signé ça? Oui. Ok. Tout d'abord, tu m'as manqué de respect. En tant qu'une femme soumise, ton mari arrive du boulot. Normalement, tu devais rentrer, le saluer. Et si tu as quelque chose à lui dire, tu lui dis patiemment, avec monsieur, amour. Monsieur, ici, dans la chambre, ce sont les mêmes paroles qui vont sortir. Donc maintenant, où est la différence? Ce n'est pas digne d'une femme soumise. Tu sais que nous sommes dans une maison à location. Normalement, tu devais rentrer. Et si tu as quelque chose à lui dire, tu me dis ça. Monsieur, m'a aidé à parler. J'ai signé. C'est fini, non? Ok, tu as signé, n'est-ce pas? Oui, monsieur.
Je te l'avais demandé et tu avais nié. Et maintenant, tu te rappelles maintenant que tu as signé ça? Oui, c'est maintenant que je me rappelle. Avant, je ne me rappelais pas. Tu te rends compte de l'ampleur de ce que tu as signé? Comme quoi? Tu as pris au moins le temps de lire le dossier avant de le signer? Ah non, j'avais pas le temps. Quand le jeune homme était là, je mangeais. Donc, ça va me couper l'appétit. C'est pourquoi tu n'avais même pas lu ça? Oui, c'est ça. Voilà que ce que tu viens de signer vient de compromettre mon travail. Ah, monsieur. Qu'est-ce que tu en dis maintenant? Le travail là, si ça compromet, il faut m'expliquer, ça compromet comment? Très bien. Ça vient de me faire renvoyer de mon travail. Ah, alléluia. Il n'y a pas de problème là-bas. Parce que le mariage, hein, pour moi, c'est pour le meilleur et pour le meilleur. S'il n'y a plus de meilleur, tu vas aller chercher le meilleur ailleurs. Tu vas aller chercher le meilleur ailleurs? Oui. N'est-ce pas, tu es ma femme? Qu'est-ce que je te dis? Le mariage, c'est pour le, chez moi, c'est pour le meilleur, pour le meilleur. S'il y a possible chez toi, le meilleur devient le pire, là, je vais chercher le meilleur à part. Ah bon? Oui. Pourquoi tu penses toujours à toi, ma? Pourquoi tu penses toujours à toi? Tu penses que moi, je pense à moi plus que toi? Oui. Sinon, si tu es à l'aise, me dis, chérie, comme je viens de perdre mon travail, va chercher un autre homme. Maintenant, tu me dis, tu veux me dire quoi même? Va chercher un autre homme. C'est ce que tu me dis? Oui. Donc, c'est le pourquoi tu n'as pas pris le temps de lire le dossier avant de le signer. Sans penser aux conséquences. Et j'ai passé plus de 2 semaines à te le demander, mais tu l'as nié. Et maintenant, tu viens de me rappeler ça. Et tu me dis, si ça gâche moi, tu vas aller te chercher ailleurs. Toi-même, tu sais que quand je mange là, je perds toute ma tête, non? En mangeant, je perds toute ma tête. Je vois. Et tu es contente maintenant? Tu es contente que j'ai perdu mon travail comme ça à cause de toi? Je ne suis pas contente, mais on va faire comment? On va faire comment? Tu es vraiment insoumise, hein, tu sais. Tu es vraiment impolie. Tu es vraiment impolie. Et tu vas, et tu seras toujours l'enfer à ton futur mari. Tu seras de l'enfer à ton futur mari. Que Dieu t'aide à se repentir. Femme insoumise. Si Dieu ne m'aide pas, tu vas m'aider. Je ne peux plus t'aider, puisque tu viens de me faire tomber.